Bonjour, bonjour la famille. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Alors on partage le live. Partageons le live pour que, voilà, que la grande famille soit présente ce soir. Nous sommes aujourd'hui samedi, voilà. Nous savons que de l'autre côté, il y a la messe noire du samedi soir, mais nous savons que chacun aussi, hein, chacun a son couloir, chacun a son couloir, chacun a ceux qu'ils aiment aussi écouter, n'est-ce pas? Voilà, ce n'est pas une concurrence, n'est-ce pas? Mais c'est tout simplement parce que nous sommes dans un niveau de notre combat où on ne doit plus jamais rien lâcher. On peut dire que le combat s'est restauré. Nous pouvons dire que le combat est né de nouveau. Car actuellement, vu ce qui se passe, vu les circonstances, nous ne pouvons être que contents. Donc, salut Capo Valère, partagez le live mon frère, partageons le live, partageons le live, partageons le live, car aujourd'hui on va parler de deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Aujourd'hui nous parlons de deux poids, deux mesures. Pas selon ce que les gens voient tout simplement par rapport à ce qui se passe au niveau du Sud Cameroun, en comparant avec l'action, hein, l'action actuelle avec... les militants du MRC. Hein? Oui, c'est un cas. C'est un cas. Mais vous savez bien que le deux poids, deux mesures dont nous avons parlé aujourd'hui, ça concerne ce qui se passe actuellement au Sud Cameroun et les conséquences, et ce qui se passait au niveau de la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. Et les conséquences. Parce que depuis lors, on ne comprend pas et c'est focalisé par rapport à la résistance. Hein. Bon, les seules comparaisons qu'on est en train de voir, c'est tout simplement par rapport au niveau, la situation de ceux qui ont manifesté au Sud Cameroun et les conséquences et la situation avec les militants du MRC. Et c'est normal. Mais nous devons dire ceci. Notre deux poids et deux mesures concerne la riposte selon les régions. Au niveau du nord du Nozo du Cameroun. Si les autorités avaient eu le même réflexe, c'est-à-dire une situation se décante, on voit le malaise, on voit le mal-être des populations et on choisit plutôt de les écouter et de les calmer, la calmer. Hein? Ils sont venus avec la haine. Ils sont venus avec la haine. Ils sont venus avec le désir de tuer, le désir de le museler. Or, de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Nous constatons que lorsque les sudistes du Cameroun se lèvent, on choisit plutôt les faire des propositions pour la calmer. On a parlé de 200 millions. Hein? On a dépêché Néo rapidement pour qu'ils viennent sur le terrain essayer de voir comment remédier aux situations. Hein? Si ça fait la même chose au niveau du Nozo, hein? On serait passé à ce niveau-là. Car au début, leurs revendications étaient aussi simples et claires. Nous voulons retrouver nos ressources ontologiques. On ne se retrouve plus dans ce système. On ne se voit pas, on ne se sent pas épanoui dans cette colonisation que nous sommes en train de constater dans nos régions. Nous voulons retrouver notre identité profonde. Voilà tout ce qu'ils avaient demandé. Biya est venu avec la haine. Biya est venu avec le désir de couler le sang. Biya est venu avec un objectif en tête. Je vais pire qu'Aïdjo. Car depuis mon mandat, il y a eu quelques situations, mais je ne suis pas encore entré dans l'histoire comme Aïdjo, car il a génocidé, il a tué son peuple. Mais il faut que je fasse de même, il faut que je fasse pareil, il faut que je fasse davantage, hein, pour que, à jamais, je sois marqué de la conscience de cette nation. Mais de quelle manière, que ce soit positif ou négatif, ils s'en foutent. Ils ont vu, puisqu'ils observent, quand ils voient ce que les De Gaulle ont fait en Afrique, et que les De Gaulle sont aujourd'hui cités et adorés dans leur pays, ils oublient que nous n'avons pas les mêmes conceptions des valeurs. Parce que même Camerounais qui va aller tuer à l'extérieur, hein, jamais la conscience nationale ne pourra le reconnaître en tant que digne fils de cette nation-là. Quand il tue ailleurs, un Camerounais qui va aller, comme nous sommes aujourd'hui, disons qu'un Camerounais va aujourd'hui d'un pays comme le Mali, où ils sont en train de chercher à être stables. Hein, on comprend que les partis font un coup d'État là-bas au nom de la France. Jamais la vie. Jamais on ne peut accompagner cette personne, qu'il soit Camerounais ou pas. Donc, dans le 2.2 mesures, le système nous a démontré une fois de plus que il y a des Camerounais à part. Ah oui, ça signifie cela. Il y a des Camerounais à part. Il y a des Camerounais intouchables, comme je le disais encore hier. N'est-ce pas? Parce que ils ont dit que là-bas, c'était le terroir. Hein? Donc là-bas, c'est là où ils savent que, quelles qu'en soient les circonstances, même si demain les Camerounais disent qu'on n'entre plus dans l'armée, ils savent que c'est là-bas, ils vont venir, ils vont aller chercher des milices pour continuer à accompagner leur système. Ils savent que c'est à partir du sud du Cameroun qu'ils vont toujours aller chercher tous ceux qui vont venir servir de bataille électorale, ceux qui vont servir aussi de milices contre les autres régions. Donc dans le 2.2 mesures, on comprend tout simplement que ils ont choisi, de détester ces habitants du nord-ouest, sud-ouest Cameroun. Ils ont choisi indéniablement de détester même la région de l'ouest Cameroun et tous ceux qui y vivent. Mais tout ça font partie de l'ouest. On parle de l'ouest Cameroun, on parle bien du sud-ouest et du nord-ouest. C'est partie de l'ouest du Cameroun. Et c'est pourquoi depuis longtemps, ils s'efforcent. Ils ont essayé par toutes les manières pour essayer de faire en sorte que les peuples des régions de Grassfield, de l'ouest du Cameroun, essaient d'embrasser ce combat afin que Paul Biya vienne achever ce qu'Aïe n'a jamais fait. 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. Donc, au niveau du Nozo, du Cameroun, vous comprenez que le système colonial, vous comprenez que depuis que nous avons parlé de, du système tribalistique au sommet de l'État, vous comprenez aujourd'hui pourquoi, lorsque Biya envoie ses préfets et ses gouverneurs dans ces régions de l'ouest du Cameroun, c'est exactement pour exercer sa suprématie sur ces gens-là. Et que ces préfets et ces gouverneurs soient toujours prêts à pouvoir envoyer la milice dans la mesure où les mêmes stratagèmes qu'on a vus au niveau du sud du Cameroun se passent au niveau de la région de l'ouest du Cameroun. Donc l'ouest du Cameroun est une région en danger par rapport à ce système. Il y a l'ouest du Cameroun et il y a le sud du Cameroun. Surtout ces deux régions ne doivent pas se lever, quelles qu'en soient les circonstances. Malgré que le traitement est différent de l'autre côté à l'ouest, puisqu'ils savent que la majorité sont incorruptibles. Parce qu'ils étaient corruptibles, ils devaient une fois aller ancrer dans le système. Il y a quelques-uns qui sont corruptibles. Chacun se débrouille. Et beaucoup en ont marre des situations dont nous vivons aujourd'hui. Donc au niveau de l'ouest du Cameroun, ils ont peur en même temps de l'ouest du Cameroun, ils ont peur aussi du sud du Cameroun. Quand le sud s'élève, ça veut dire que les réserves de bestioles, comme ils les considèrent, auront pris conscience de leur humanité et se seront levés. Au niveau de l'ouest du Cameroun, je dis bien de l'ouest du Cameroun, lorsqu'ils se lèvent, ça veut dire que la République est en branle. Donc c'est pourquoi, au niveau de l'ouest, on doit réprimander, on doit gazer, on doit tuer, on doit torturer. Regardez ce qu'ils ont fait dernièrement à Bafang, à cause d'un événement de mœurs. Quand il dit de mœurs, c'est qu'une famille qui se discute un terrain, ils sont venus tirer à bout portant. Souvenez-vous ce qui s'est passé à Bafoussam. Une femme policière qui sort son âme et tire sur le bétail. Vous savez qu'il y a très longtemps, après les événements qu'Aïe Dioa a fait au Cameroun, l'ouest du Cameroun est resté comme une zone de bestioles. Tous avaient peur de parler politique. Donc tous, et vous savez dire que lorsqu'on se recuse de pouvoir défendre ses droits, on devient un animal en puissance. On devient un animal en puissance car, quelque part dans notre être, Il y a quelque chose qui réclame en nous notre humanité. Et qui dit humanité veut dire respect de sa propre vie et respect de la nature de la vie des autres. Lorsqu'on ne parvient plus, lorsqu'on arrive à cet état où le système veut nous imposer, on ancre dans une dépression. Et vous savez, en Afrique, on ne connaissait pas encore le mot dépression, mais les anciens avaient le mot pour parler de cela. Hein? Puisqu'on n'est plus libre de s'exprimer, et que nous savons le pourquoi. Et en plus encore, on nous muselle afin qu'on ne transmette pas la vérité à nos enfants. Hein? On mène une vie déprimée. Les organes ne sont plus énergiquement en évolution. Hein? L'être humain est bloqué quelque part, surtout dans ses neurones. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu qu'au Cameroun, par exemple, ayant accepté, parce que c'est un choix, tu peux l'accepter consciemment ou inconsciemment. Il y a ceux qui n'ont jamais accepté cela, qui ont choisi de s'épanouir, de parler, on parle des plus Ndiaoué et les autres, n'est-ce pas, qui ont choisi de parler et de mourir dignement, n'est-ce pas. Lorsqu'on accepte cette situation-là, il faut qu'on trouve maintenant un moyen de s'en sortir. Hein? Et vous allez voir que le seul moyen au Cameroun depuis les années a toujours été l'alcool. Pourquoi ils boivent trop? Il faut qu'on se pose cette question. Pourquoi est-ce qu'ils boivent trop? Parce qu'ils ont accepté perdre une partie de l'humanité et il fallait maintenant trouver un réconfort qui pouvait remplacer cette énergie qu'on a bloquée en eux. Et ils sont ancrés dans l'alcool. Oui, oui, c'est pourquoi ils sont devenus un peuple des alcooliques. Et le système exactement, aimerait que ça continue ainsi. Et c'est la raison pour laquelle, voyant les circonstances, nous devons accepter. Parce que la guérison, par rapport à ce genre de circonstances, commence d'abord par l'acceptation. Nous devons accepter que Biya a piégé le Cameroun. Nous devons accepter que Biya a tribalisé le Cameroun. Il faut avoir l'acceptation. Ceux qui disent souvent que il n'y a pas de tribal au Cameroun, c'est parce que ce sont des gens qui mènent leur vie et qu'ils ne se soucient pas du devenir de leur nation. C'est quand tu te soucies des vrais enjeux de la nation que tu comprends que devant. Je vous dis parce que mes chers frères, je suis né et grandi à Basora, où il faisait le parlement, où nos anciens faisaient le parlement. Il a, en pleine université, grandi avec tous ces universitaires qui ont subi dans les années 90, 91, 92. Surtout 92, c'était la catastrophe. À l'époque, lorsqu'ils étaient tranquilles, lorsqu'on les payait les pensions, l'université était gratuite, et ils avaient les cités gratuites, n'est-ce pas? Tout allait bien. Ils ne se plaignaient pas. Mais dès que ils ont pris conscience qu'ils avaient un devoir moral en ce qui concerne cette nation, qu'ils ont commencé à revendiquer d'abord le multipartisme, on a compris que c'était un danger. Bien, Paul a compris que c'est un danger. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut déjà couper les vivres, n'est-ce pas? On doit couper toutes ces pensions qu'on a données, l'université devient payante et le restaurant est fermé. Donc vous bloquez tout ce qui est nécessaire et essentiel pour votre épanouissement à cet instant-là. N'est-ce pas? Donc, on vous envoie dans quoi? Le voyeutisme. On vous envoie de quoi? Dans le vol. D'autres étaient obligés de partir voler maintenant. Hein? Et c'est comme ça qu'ils commençaient à se massacrer entre eux, à se tuer entre eux. Hein? Donc, le système a mis tout en place pour pouvoir détruire la conscience du peuple. Et ils ont aussi utilisé... Je parle du tribalisme. À cette époque-là, c'est là où, lorsqu'ils ont commencé à revendiquer, et en créant la revendication politique, qu'ils ont compris que Yaoundé n'était pas un champ d'amusement. Qu'ils ont compris qu'il y avait des radicaux dans Yaoundé, prêts à tout avec les machettes, à tuer au nom de ce parti des flammes. Enflammer la nation, ce n'est pas... Il y a ceux qui voient aujourd'hui ce qui se passe, ils croient que c'est une affaire d'aujourd'hui. Hein? Qu'on dit qu'ils sont en train de... Non, ils l'ont fait par le passé. Et ceux qui disent que la manière qu'ils voient, c'est que s'il n'y a pas une autre forme de transition, ils vont... Non, il n'y a pas autre forme. On va aller dans cette forme-là. Et c'est dans cette forme-là qu'on va les gagner. Le plus important aujourd'hui, c'est qu'on puisse travailler nos arrières. C'est ça le truc. Ce qu'on a vu au niveau des organes du RDPC, ce n'est pas la première fois. Le truc, c'est que, à ce moment, à ce tournant historique, non seulement il y a un fin de règne, mais aussi, il y a les réseaux sociaux qui existent. Ce n'est pas une première. Il y a une éveil de conscience. Hein? Et qu'il y a des générations qui veulent aussi être aujourd'hui des leaders. Que ce soit du RDPC. Ils ne veulent plus accepter que moi, je viens juste les distribuer les pains sardines. Hein? Ils veulent aussi être ceux qui viendront demain pour pouvoir les distribuer. Partager, donner. Ils ne méritent plus seulement recevoir. Et c'est un éveil de conscience. C'est une élévation de conscience. C'est-à-dire qu'ils commencent par la bataille intérieure. Et finalement, au fur et à mesure qu'ils vont combattre, ils vont comprendre que c'est avec amour que nous combattions pour le Cameroun, pour la justice. Hein? Que nous combattions exactement pour que chacun puisse lutter pour son droit, selon sa position, selon le contexte et la situation de la nation. Voilà, voilà notre vérité. Donc, la situation est déplorable. Parce que comme ils ont calmé le Sud avec, disons, 200 millions de francs CFA, ça veut dire qu'ils ont compris leur réclamation et sur l'instant, ils ont commencé, au moins, les accalmer en essayant déjà de trouver des solutions. Là, c'est un point. De l'autre côté maintenant, au niveau du Nozo, ils auront dû faire pareil. Mais depuis 61, qu'ils les dribblent, qu'ils les jonglent. Vous savez, il y a une affaire qu'on parle de... On parle en disant qu'il y a eu... comment ils appellent ça encore? Un référendum au Cameroun. Pour que les deux parties soient... On quitte du système fédéral au système uni. Dans cette manipulation que l'histoire ne veut que cacher que... Le royaume Bamoun ne veut pas diffuser, puisque tout s'est passé là-bas. Le Cameroun, à l'époque, dans les années 70, on était presque à 3 500 000, disons 4 millions. 4 millions d'habitants. Alors, aux années 70, n'est-ce pas? 4 millions d'habitants. Disons 4 millions. Bon, disons même 5 millions, on va augmenter. Disons qu'on était 5 millions dans les années 70. Et... sur 5 millions d'habitants, le Cameroun fédéral, hein, il y a peut-être 1 million d'anglophones. Et 4 millions, je prends un exemple. Disons que sur les 5 millions, les années 71, on retrouvait 1 million d'anglophones et 4 millions de francophones. On fait un référendum. Un référendum national. Étant conscient que déjà nous sommes 4 millions au niveau du Cameroun francophone, hein? Et 1 million de nouveaux anglophones. Si on voulait faire les choses justes et vraies, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait prendre les 1 million d'anglophones, dire que bon, choisissez vous-même votre positionnement, choisissez ce que vous voulez, soit on reste dans la fédération, hein? Soit nous sommes unis. Et d'ailleurs même pourquoi l'idée de l'unification? C'est la question qu'on doit se poser, hein? Pourquoi ils ont voulu, pourquoi ils ont voulu quitter le système fédéral pour l'unification? Ah oui, lorsqu'ils ont compris qu'il y a justement des pétroles au niveau du Nozo, il fallait automatiquement les unir. Et qu'est-ce qui se passe alors? Est-ce que vous voulez le consentement? Dernièrement ici en France, en 2009, la Guyane est passée d'un référendum pour savoir si vous voulez rester dans l'Union européenne, dans la France ou pas. Hein? Ça n'a pas concerné la métropole qui est ici, la Grande France. C'était les Guyanais entre eux. C'était à eux de choisir. Et on se comprend très bien. Donc ça veut dire que depuis 61 d'ailleurs, que bon, ils sont battus pour le fédéralisme, l'unification qui vient encore d'une manière très rusée. Hein? Comment est-ce qu'on peut venir vouloir demander ma volonté ici chez moi? Et puis on demande le consentement de tous ceux qui habitent dans l'immeuble. Donc ça veut dire que c'était une mascarade. 4 millions contre 1 million. Même si les 1 million avaient voté, hein, et même si les 1 million avaient voté, hein, et que rien que 1 500 000 sur 4 millions votent au niveau du Cameroun francophone, vous voyez que la mascarade était déjà tout établie. Et c'est la raison pour laquelle les intellectuels, hein, de cette zone, ayant compris la situation, ils ont décidé maintenant de revenir, hein, au système fédéraliste. Pourquoi est-ce que, dans le deux poids, deux mesures, le système qui a prouvé qu'il peut dialoguer au sud avec les Camerounais, pourquoi ils n'ont pas accepté donc, hein, ce processus, hein, de dialogue pour trouver un consensus avec nos frères du Nozo? Voilà les questions fondamentales qu'on se pose aujourd'hui et que demain nos enfants vont se poser. Je vous parle sincèrement. C'est notre histoire. Hein? La question s'impose ici et maintenant. Pourquoi est-ce que, hein, nous réclamons un dialogue pour pouvoir remédier à cette situation et que le système perdure? Vous avez vu aujourd'hui qu'il y a un qui est très enchanté d'avoir, hein, d'être allé, hein, arracher, hein? Non, il y a eu un référendum. Moi, j'étais en Guyane à l'époque, en 2009 en Guyane, puisqu'il réclamait. Il voulait être comme le Suriname qui est à côté. Quand le Suriname avait appris son indépendance de la Hollande, hein, il se plaignait. Alors Sarkozy a fait un coup de jeu, hein, en lui disant que bon, choisissez. Je parle bien de la Guyane. La Guyane, oui, oui, c'est un territoire. Hein, c'est un territoire français. Hein, Caroline Jacqueline. Oui, oui. Peut-être Nouvelle-Calédonie aussi, bon, c'est autre chose. Donc, c'est un département d'outre-mer, s'il te plaît. La Guyane, c'est un département d'outre-mer. Voilà, un département d'outre-mer. Donc, voilà, ça concerne la France. Donc, j'étais en train de dire tantôt, hein, tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est l'histoire de notre nation. Car aujourd'hui, c'est très simple, hein, hein, que bon, nous sommes en train de causer de ça comme ça. Et que dans l'instant présent, hein, on ne voit pas l'ampleur que ça donnera au futur. Puisque nos enfants, si aujourd'hui nous luttons jusqu'à ce qu'on puisse les donner, hein, un cadre scolaire, un système pédagogique conscient, parce que d'abord il faut qu'on se batte pour ça. Parce que de l'autre côté, Biapol et l'Occident veulent nous noyer davantage. Hein. Ah oui! Vous voyez nos soeurs et nos frères dans les églises aujourd'hui. Hein? Le prêtre pisse, ils disent de boire, ils boivent. L'aliénation arrivait, hein, au summum. Nous devons sauver notre peuple. Parce que tant qu'il n'y a pas, comme d'ailleurs, il y a une grande partie de notre histoire que nous ne connaissons pas. Hein? Et toutes ces parties sombres de notre histoire sont cachées ici, dans leur chancellerie, dans leur bibliothèque. Et scellé. Et il faut des autorisations, hein, spéciales pour pouvoir aller lire au moins une page. Donc si nous restons comme ça, ils vont continuer à sombrer, hein, notre système d'éducation. Et que finalement, hein, nous n'aurons pas un peuple ou bien une population capable demain de pouvoir, hein, penser, réfléchir, philosopher, hein, sur les faits historiques de son passé. Voilà le véritable bémol, les gars. Voilà le vrai problème de tout ce que nous gérons là. Hein? C'est pourquoi, en même temps que nous luttons, nous avons un devoir. Et ce devoir, ce n'est pas seulement sur la toile. C'est un devoir qui doit être spontané lorsque nous retrouvons, hein, avec nos frères, qu'ils soient Camerounais ou Africains. Hein? Nous avons ce devoir, hein, de conscientisation. Nous avons d'abord ce devoir de pouvoir, hein, aller à la recherche, hein, des connaissances, aller à la recherche des faits historiques. Puisque si on veut réconcilier, hein, on veut réconcilier l'histoire, et qu'on n'a pas le passé, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Si on veut se réconcilier avec soi-même et qu'on n'a pas le passé, et qu'il y a un clair-obscur quelque part, ce serait très difficile. Donc, tout cela, ce sont les enjeux actuels et pour demain. Nous devons donc lutter. lutter pour que les Camerounais de bonne foi, les Camerounais soucieux des enjeux non seulement de leur pays, mais soucieux même des enjeux internationaux, puissent être à la place qu'il faut pour pouvoir. Et la première place au Cameroun, c'est au niveau de l'État, qu'on ne se trompe pas. La place la plus importante au Cameroun, c'est au sommet de l'État. Il faut un pays comme le Cameroun. Oui, parce que la tête est pourrie. Donc il faut automatiquement qu'on mette tous les moyens pour que ce peuple comprenne le pourquoi nous luttions. Parce qu'ils ne savent pas. Il y a ceux qui savent qu'on lutte pour renverser que le système, pour renverser bien. Voilà un gros problème. Que le système a pu mettre dans la tête des Camerounais qu'on lutte pour renverser bien. Pourtant, les enjeux sont majeurs. Hein? Et pourtant, nous pleurons lorsque les autres nations africaines, à l'occurrence les pays de l'Afrique de l'Est, par exemple, sont en train de percer dans la conscience, percer dans l'éducation, percer dans la vision de l'avenir. Nous sommes toujours en train de rétrécir. Nous sommes les derniers de la classe. Et vous voyez qu'avec l'exemple, dans ce régime, lorsqu'on te nomme, fais tout, mais surtout, rien de progrès. Car celui qui tente de vouloir faire quelque chose pour le progrès, les autres vont voir qu'il veut se faire voir. Et par conséquent, tout le monde vient sur lui comme les abeilles, et les serpents affamés. Donc tout se passe au sommet du pouvoir chez nous. Et par conséquent, la première ligne qu'on doit déjà, on doit rayer, c'est la ligne tribalistique. Ben, tant qu'on n'a pas atteint cette dimension-là, tant qu'on ne fait pas comprendre cela, tant qu'on ne fasse pas comprendre aux gens que, comme il le disait tantôt, hier, quand le Cameroun joue contre, disons, la Côte d'Ivoire, c'est tout le peuple camerounais qui est uni sur son drapeau. C'est le drapeau camerounais qui joue. Là, il n'y a pas de tribalisme, n'est-ce pas? Pourquoi maintenant, lorsqu'on parle du devenir et la construction de cette nation, le tribalisme s'installe? C'est parce que Biya a aliéné et détruit les neurones et la conscience d'une grande partie du peuple camerounais. C'est pourquoi lorsqu'on parle des vérités comme hier, hier, j'ai fait un live pour rétablir une vérité par rapport à une manipulation. Il y a ceux qui n'ont pas le courage de pouvoir accepter la vérité parce qu'ils sont derrière d'un projet dogmatique. Ils suivent des égrégores. Ils sont devenus des êtres religieux. Ça veut dire que même si quelqu'un a menti, vous savez comme à l'époque, comme l'Église se comportait à l'époque, tous ceux qui prennent la vérité, l'Église les prenait et on les brûlait au feu, n'est-ce pas? Donc, nous sommes dans cette démarche où la vérité va régner. Nous sommes dans une démarche où, pour être un exemple pour demain, il faut qu'on soit prêt au sacrifice. Et qu'on le sache, qu'on le veuille ou pas. Dans toutes circonstances. Même si c'est qu'il y avait un Dieu aussi parfait que les religieux le disent, on a vu que même s'il y a un Dieu parfait, il y a un diable quelque part qui lutte contre ses projets. Et c'est ça qu'on doit accepter. Nous devons accepter que la vie, elle est ici. Et que personne ne croit que parce qu'il prône l'amour tous les jours, il écrit quelque part qu'automatiquement, les êtres doivent l'aimer. Et qu'il est comment dirais-je, qu'il n'est pas critiquable. Ah oui. Bien ceux qui prônent l'amour croyant que parce qu'ils ont prôné l'amour, si on les critique, c'est un problème. Non. Non, 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 non. Puisque l'amour va avec la haine. C'est comme le jour et la nuit. C'est deux mêmes forces, mais qui sont opposées. L'amour et la haine sont les forces. Donc deux mêmes forces, mais que chacun est dans son côté opposé. Ils ont la même puissance, la même intensité. Mais ils sont opposés comme le soleil et la lune, comme le jour et la nuit. Donc tant qu'on n'est pas dans un équilibre parfait, trop d'amour, selon ce que le concept religieux nous amène à ce qu'on appelle la soumission. Donc, donne-moi la gifle, on te gifle à gauche, tu donnes à droite. Parce que tu as de l'amour. J'ai vu le frère le général Vassero hier dans son live, par rapport à ce que nous avons écrit sur la page l'autre jour. Nous avons dit à Vassero que par rapport au cas d'Eto, s'il continue à appeler le peuple à aimer Eto et l'accompagner dans son projet de l'Africafou, ce sera un délire. J'ai vu hier qu'il a dit que il a plutôt expliqué selon sa compréhension. Voilà, sans citer mon nom, mais il a dit que j'ai écrit que avec l'excès d'amour, il risque d'être retourné. Non, qu'on ne dise pas ce qu'on a dit. Qu'on ne dise pas ce qu'on n'a pas dit. J'ai dit qu'avec l'excès d'amour qu'il donne pour un citoyen camerounais, qui a mort aux situations actuelles dont vivent les Camerounais, qui vit exactement comme Biya Paul, qui n'agit sur aucun comté du Cameroun, nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas le droit de pouvoir supporter. Et c'est par rapport à cet amour qu'on ne peut pas supporter Eto. Ça ne veut pas dire qu'on a la haine pour Eto. Nous avons de la pitié pour Eto, comme nous avons aussi de la pitié pour le système qui gère le Cameroun. Parce que certains confondent souvent que si on n'a pas d'amour, c'est que c'est le contraire, c'est la haine. Non, dans une autre dimension. Dans l'amour, il y a maintenant la pitié et la compassion. Ainsi concerne les gens comme Paul Biya. Nous avons pitié de Paul Biya, son régime et tous ceux qui le supportent. Non, pas de la haine. Ben, il ne faudrait pas que les gens viennent vous prendre avec les dogmes de l'amour. Parce que pour les êtres humains que les religions ont tués, quand quelqu'un parle de l'amour, même s'il vocifère, comme il y a le mot amour, il dit que c'est bon. Je veux dire que ce n'est pas ça. Il dit qu'il y a l'amour objectif, l'amour réel, réaliste. Je ne peux pas, je ne peux pas venir aujourd'hui dire que je vais tourner par rapport à la réalité que j'ai vue. Et toi, ce n'est pas mon ami pour que je l'aime. J'aime tous les êtres humains, donc c'est un être humain. Non, au fait, j'ai de la compassion pour l'humanité. Ça, c'est le premier point. Bon, et toi maintenant, en tant que complice de toutes les atrocités, puisqu'il ne dénonce pas, qu'il ne dénonce pas conscient, consent, n'est-ce pas? Donc, le drapeau. Donc, nous ne pouvons pas accompagner les déclarations dont le général Vassero dit en disant qu'on doit, on doit accompagner Eto parce que c'est un Camerounais. Nous ne sommes pas sur la base, nous ne sommes pas sur la base de ce qu'on appelle la nationalité. Les affaires de la société, ça les regarde là-bas. Nous sommes sur la base où un citoyen dont le peuple a aimé, le peuple a travaillé son aura, parce que l'amour que les Camerounais lui donnaient quand il était footballeur a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et qu'en retour, il a la haine. C'est Eto qui a la haine pour le peuple. Et comme Vassero l'a si bien dit, oui, on doit combattre la haine pour la haine, pas la haine. Nous avons l'amour, mais nous avons pitié d'Eto et pitié du système bien. Mais par conséquent, au concret maintenant, en ce qui concerne nos frères anglophones, nous avons de la compassion pour eux quand ils sont en train de subir la compassion. Donc ça fait toute partie de l'amour. Ce sont les éléments de l'amour. Dans l'amour, il y a la pitié. C'est pour ne pas faire mal à quelqu'un. On a pitié parce que oui, oui, la pitié nous fait comprendre que voilà, la pitié qu'on ressent envers quelqu'un nous fait comprendre que nous l'avons compris et que bon, comme il continue dans sa stupidité, nous alors on avance. Voilà, c'est différent de la haine. Puisqu'on ne peut pas combattre, on ne peut pas combattre le feu par le feu, ça ne donne pas. Non, il faut qu'il y ait un équilibre entre le jour et la nuit. Donc, dans ce même amour, nous n'avons pas la haine pour l'armée de Biya. Non, nous avons toujours pitié. C'est de la pitié car ils sont toujours manipulés par les gens d'Aho. Je prends la compassion pour cette armée. Car ils servent de milices pour ces gens-là. J'ai la compassion pour nos frères du nord-ouest et du sud-ouest qu'on a transformés. Donc oui, on a transformé afin qu'on puisse les appeler juste des terroristes. Or, c'est défense, autodéfense, comme on le dit d'habitude, n'est-ce pas? Ils étaient que dans la défensive. On est venu, 2 poids, 2 mesures. Au sud du Cameroun, la population a fait ses revendications. On a, sur l'instant, on a remédié. On a commencé à remédier. Au nord-est, au sud-ouest, dernièrement, ils sont partis essayer. C'est la brutalité. On a brûlé les maisons, brûlé les familles. Au nord du Cameroun, c'est pareil. Lorsque beaucoup arrivent, parfois, la... Ouais, ouais. Oui, oui. Voilà. Merci, 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 Lyokwam. Hein? Nous ne sommes pas dans l'amour sentimentaliste. C'est exactement ça que j'appelle l'amour dont les dogmes religieux sont venus nous apporter. Ça veut dire que... Hein? Ça veut dire quoi? On va parler des choses les plus profondes maintenant. On va parler quelque chose de plus profond. Hein? La femme connaît que son mari le traite. Que son mari le trahit. Avec même sa propre copine. Hein? Comme elle a de l'amour pour son mari, l'amour sentimentaliste, hein? Elle dit que j'aime mon gars comme ça. Et pourtant, vous savez que tôt ou tard, ça va exploser. Hein? Donc, l'amour réaliste aimerait que, si nous sommes dans un processus où on a décidé de vivre dans la fidélité, lorsqu'il y a une situation donnée comme ça, quelqu'un dit que même si ma femme me trompe, je reste avec elle parce que je l'aime. Il prépare la guerre, une guerre inconsciente pour plus tard. Parce que tôt ou tard, vous comprenez que l'un a tué l'autre, hein, ou ça s'est saccagé d'une manière, hein, voilà. C'est une réalité, c'est une objectivité. Quelqu'un me trahit, tous les jours je marche avec lui. Un jour, hein, la personne va toucher encore un niveau où tout va ressortir. Il y aura explosion. Hein? Donc on ne vient pas nous dire, hein, qui nous excuse, qu'on doit avoir de l'amour, mais que cet amour soit un amour aveugle. Non, on refuse cela. Hein? On n'a jamais dit qu'on va combattre l'amour par la haine. Hein? Jamais. On ne peut jamais. D'ailleurs, même la haine détruit. La haine même est un agent du cancer. La haine, oui. Et c'est pourquoi vous voyez que lorsque Paul Biya met le peuple en dépression, c'est pourquoi il puisse, hein, quand les muselle, c'est pourquoi l'être humain finit, hein, par se révolter contre lui-même, avoir de la haine contre lui-même. Exactement. Quand il arrive que l'être humain commence à se révolter contre lui-même, parce qu'il est conscient que ce qu'il est en train de faire, hein, n'est pas digne d'être humain. Hein. Par conséquent, il commence à envier les uns, il commence à... Donc, il en vit ici, et de l'autre côté, maintenant, il y a la jalousie et tout, parce qu'il refuse de s'exprimer en tant qu'être humain, et en même temps, ceux qui s'épanouissent, ils deviennent jaloux, hein, et la haine les envahisse. Non, 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 on s'excuse pour cela. Donc, nous n'avons pas venu ici, là, parce que, et toi, dit que le zénith, allez-y, et qu'on doit se recuser de comprendre que, en tant que citoyen camerounais, en tant qu'Enrique Laura, il ne s'est jamais prononcé. Voilà encore qu'on a arrêté la fille. On a arrêté les enfants et la femme de nos petits aujourd'hui. Ils vont les voir comme les ambaboys. Et ils vont les voir dans les visions comme les séparatistes. Ils ne vont pas les voir de la même manière que nous les voyons. Comme les Camerounais qui ont réclamé, hein, comme le Sud a réclamé dernièrement, hein, et ont réclamé quelques droits pour se ressentir digne. On est venu plutôt, hein, on est venu plutôt avec la représailles. Et qu'on va dire que on va avoir de l'amour, on va combattre l'amour par l'amour. L'amour ne se combat pas uniquement avec l'amour. Parce que quand tu as de l'amour, l'amour est déjà, tu es déjà amour. Et quand tu es déjà amour, maintenant tu deviens un observateur. Et l'observateur, c'est maintenant que lorsqu'il voit les situations, ça dépend maintenant par rapport à l'amour dont il est déjà, hein, comment il appréhende chaque situation. À gauche, on a la compassion. À droite, il y a la pitié. De l'autre côté, parfois, il y a la tolérance. Tout ça sont les instruments de l'amour. Donc quelqu'un ne vient pas nous faire croire que l'amour c'est justement un combat entre haine et amour. Non, l'amour a ses instruments. La tolérance est là, l'empathie est là, la compassion est là, la pitié est là. L'amour a beaucoup d'éléments, hein, qui se manifestent justement par rapport aux circonstances. Mais jamais de la vie qu'on vient nous faire croire que, hein, nous allons aller supporter, hein, quelqu'un qui jusqu'à présent a le temps de se rattraper. Hein? Je ne parle même pas parce que ce qu'ils attendent, c'est qu'on parle de la double nationalité des taux et que nous parlons aussi du fait que Paul Biya, hein, il avait supporté Paul Biya après la jeunesse. C'était les deux cas-là qui veulent nous piéger. Mais ils ne sont pas sincères. Hein? Ils ne sont pas sincères. Hein? Il a recusé, hein, de vouloir être celui qui peut représenter l'esprit, hein, de la jeunesse. Il a refusé de redonner à la jeunesse l'amour qu'on l'a donné quand il était au Barcelone, quand il était au Real, quand il était à Mallorca. Hein? Il a refusé cela. Et aujourd'hui, hein, on parle des denrées alimentaires. C'est parce que Eto'o a atteint son niveau. C'est parce que Eto'o est riche aujourd'hui, selon lui. Ben, s'il n'était pas dans cette position, et dans cette position, comme il est riche aujourd'hui, il pense qu'à lui seul. Il est égocentrique, il est égoïste, il est méchant. Donc personne ne va venir nous dire qu'on est de l'implacompatie. Si Eto'o, hein, était dans cette position et qu'il était conscient que, hein, le pays là, hein, l'appartient, qu'il est situé cette nation là, il devait se prononcer malgré la volonté du régime, le régime. malgré la volonté de Biya Paul, malgré la volonté de leurs amis. Donc, qu'on ne vienne pas confondre les gens. Je dis bien parce qu'il y a les gens que, vous savez, non, pour le cas de Valseron, il est sincère, hein, mais c'est qu'il y a certaines circonstances où il doit pousser plus loin. Je dis bien pousser plus loin. Hein? Mais vous savez qu'il y a certaines personnes, quand il vient auprès de vous, et quand il constate que vous êtes un être peut-être religieux, hein, il a compris que pour vous amadouer à chaque circonstance, il va mettre le nom de Dieu devant. Hum? Et comme donc, c'est pour dire, hein, y a des gens qui sont tellement en carence d'amour, hein, parce qu'ils n'ont pas compris. C'est que lorsqu'on est en carence d'amour, cela signifie que la définition de l'amour qu'on a conçue n'était pas réelle. Parce qu'on ne nous a pas fait croire que l'amour était quelque chose d'objectif et de scientifique. Oui, l'amour objectif et scientifique. Nous ne sommes tous innocents, hein, avec tous les sentiments égaux, pardon, hein, tous les sentiments égaux. Maintenant, c'est la conjoncture. Hein? C'est-à-dire la conjoncture, ça signifie quoi, hein? C'est qu'on a prévu pour nous donner dans l'éducation, la compréhension, la situation, hein, le contexte où nous vivons, hein? C'est là où on commence à définir les choses par rapport à nous-mêmes, l'éducation et autres. Mais lorsqu'on grandit, on constate que c'est un mensonge, hein? Et beaucoup de gens commencent en carence d'amour et ils se sentent trahis, hein? Puisqu'ils n'ont plus, ils n'ont nulle part où comprendre alors ce phénomène, puisqu'il n'y a pas d'école qui apprend cela, hein? Comme il n'y a pas d'école, beaucoup sont basés maintenant sur la religion, en croyant que là-bas, ils peuvent avoir cette notion profonde de l'amour. Ils ne comprennent pas que l'amour, c'est tout simplement accepter les faits réels de l'existence. L'amour, c'est de pouvoir ancrer dans un profond travail intérieur et de mettre en application le système de discernement pour ne jamais être dupé et trompé. Parce qu'on ne peut pas avoir l'amour si on n'a pas fait un travail profond en soi-même. Vu le contexte de la société actuelle, hein, vu le contexte de la société actuelle, ailleurs peut-être dans les grandes philosophies, comme par exemple le taoïsme, on les appelle l'amour profond, hein, le bouddhisme, par exemple, on les appelle l'amour profond, hein, mais là, comme ils ne sont que des petites communautés, ils entretiennent entre eux de génération en génération. Celui qui va venir pour ancrer, ce serait un grand processus pour lui. Et d'ailleurs, il faut d'abord le savoir. Il faut savoir que là-bas, la compassion, la tolérance, la pitié, l'amour dont nous parlons, hein, est développé dans le sens supérieur. Pas l'amour qu'on dit que bon, aimez-vous les uns les autres, tout simplement comme ça, et que tu essaies d'aimer l'autre, l'autre te pique dessus, tu commences à dire que non, à comprendre que ce n'est pas une réalité. Hum? Avant de dire que aimez-vous les uns les autres, il faut d'abord qu'on soit conscient que l'autre, d'abord est conscient de qui il est, qu'il se respecte lui-même. Mais tant que je n'ai pas le respect à moi, je ne peux pas respecter l'autre. Tant que je ne me suis pas appréhendé, hein, de la notion du respect, tant que je ne vis pas le respect, je ne peux jamais respecter l'autre. Car moi-même, je suis déjà une folie. Je vais souvent faire les semblants, les ruses et tout, pour qu'on croie, pour paraître ce que je ne suis pas. Pour paraître, hein? Parce que c'est qu'en temps normal, il faut être cela. Mais je parais. Et à la fin, maintenant, je fais mal. C'est ça le grand problème. Hein? C'est ça le véritable problème. Donc que personne ne vienne plus vous prôner les histoires d'amour comme si l'amour était juste quelque chose qu'on parle. Hein? Il faut d'abord accepter que l'amour est réel. Et que l'amour se manifeste par la vérité et la connaissance de soi-même. Tant que tu ne te connais pas toi-même, comment tu peux avoir l'amour? Je dis l'amour profond. Tant que tu ne te connais pas toi-même, je vous le dis sincèrement, puisqu'on nous a appris à connaître les choses tout simplement à partir de l'analyse extérieure. On nous a pas appris à comprendre les choses aussi au niveau intérieur. On a ôté, nous dit que, hein, l'univers qui est là, hein, ce qu'on appelle le macrocosmos, hein, et aussi en nous, ce qu'on appelle le microcosmos. Les gens écoutent souvent des choses comme ça, ils croient que ce sont des blagues. Hein? Pourtant, ce sont des choses scientifiquement probantes. Mais l'envers de soi qu'il y a les nations qui veulent, hein, et ils sont même très heureux. Il y a les nations et les concrets qui sont contents qu'on puisse rester dans cette ignorance et que nous puissions croire que l'amour, c'est tout simplement le fait qu'on tout le monde croit. On dit que l'amour est dans le cœur, hein? L'amour est dans le cœur, et qu'il faut le distribuer. Hein? Non. On sait que le cœur, c'est le centre des sentiments. Là, c'est une chose. Le cœur, c'est le centre des sentiments. Puisque l'amour aussi, c'est un sentiment. Hein? C'est là où les gens disent que l'amour est dans le cœur. Bon, maintenant, donc, il faut le cultiver. Lorsque on a été dupé par l'existence. Ben, l'existence a dupé beaucoup de gens. Lorsqu'on a été dupé par l'existence, il faut maintenant cultiver cet amour. Cet amour qui doit amener la joie, hein, et le bonheur. Parce que l'amour, la joie et le bonheur se trouvent à l'intérieur de nous. Hein? Et lorsqu'on a trouvé cet amour, cette joie et ce bonheur de vivre, hein, de vivre dans la vérité. Puis là, c'est une affaire de vérité. Hein? C'est là où maintenant on a une perception différente des choses. C'est là qu'on connaît que Biya Paul, hein, en tant qu'être humain, hein, un citoyen camerounais, c'est un fou. Et c'est vraiment un fou. Hein? Et que par conséquent, on doit avoir pitié de lui, car il ne sait pas ce qu'il fait. Hein? Et pour résoudre la situation, on doit le faire dégager. C'est aussi simple que ça. Hein? Samuel Eto'o, hein, en tant que citoyen camerounais, dont les Camerounais ont lavé son aura, en envoyant les puissances d'amour, hein, par rapport, hein, aux supporters, le support que le peuple camerounais, d'abord, et africain l'ont donné. Hein? Aujourd'hui, il est ingrat. C'est une affaire d'ingratitude. C'est la vérité. Il est ingrat, puisque l'amour qu'il a reçu du peuple camerounais, hein, il ne parvient pas à pouvoir les redonner en pleine position ferme, sûre, vraie, hein, sur tout ce qui se passe au Cameroun. Il est tout simplement ingrat. Il ne mérite pas notre amour, il mérite plutôt la pitié. Il dit bien la pitié. Il est dans le même cadre que Biya Paul, n'est-ce pas? Comme je disais encore, hein, au niveau de la tolérance. La tolérance maintenant, c'est toujours les éléments de l'amour. Au niveau de la tolérance, ça se manifeste par quoi? Par l'instrumentalisation que Biya Paul a fait. Du moins que vous avez vu. Vous avez vu une fois qu'au niveau de Saint-Mélima, hein, ils ont instrumentalisé les jeunes pour qu'ils viennent lutter contre leurs propres frères en les appelant, les exogènes. N'est-ce pas? Là maintenant, pour résoudre cette situation, il faut qu'on ait de la tolérance. Donc, on doit être de la tolérance et aussi de la pitié. La pitié parce qu'ils sont instrumentalisés. La tolérance parce qu'ils, hein, veulent nous pousser dans une situation où, si on agit spontanément, ça va vraiment éclater. Là, c'est toujours un instrument de l'amour, la tolérance. Hein? Et comme j'ai dit tantôt, avant qu'on ne finisse, j'ai dit on doit avoir de la compassion. La compassion, j'ai pris l'exemple tout court. On ne va pas monter par trois chemins. Hein? Nos frères ont revendiqué au nord-ouest Cameroun, nord-ouest, sud-ouest. On est venu avec la répression, on est revenu avec la barbarie, on les a transformés. C'est pourquoi aujourd'hui, hein, au-delà de l'amour que nous avons pour eux, nous avons aussi de la compassion pour eux quand ils sont en danger. Voilà les instruments de l'amour. Hein? Pourquoi est-ce qu'on veut nous faire croire qu'il n'y a que l'amour et la haine qui existent? Non. Et même la haine aussi a ses éléments. La haine a ses éléments comme la colère. Hein? La haine a ses éléments comme la jalousie, l'envie. Hein? Donc, si on va ancrer dans ce débat, il faudrait qu'on puisse aller puiser très loin. Sinon, on va se perdre. Hein? La haine n'arrive pas comme ça. Hein? Ça commence, l'envie commence. Après, l'envie pousse à la jalousie. Donc, l'envie pousse à la colère pousse à la jalousie pousse même jusqu'au meurtre. Donc, d'où la haine? Car la haine, c'est ce que Biya Paul, hein, a contre son peuple. C'est pourquoi il tue son peuple. C'est ça la haine. Mais ça a commencé quelque part. Hein? Envie, hein, colère, jalousie, hein, haine, meurtre. Donc, mes chers frères, si on veut ancrer de la connaissance pratique, et non spéculative, hein? Comme je vous ai dit, on doit baser, hein, dès à présent et pour toujours, toutes nos réflexions sur tout ce qui est scientifiquement probant. Arrêtez tout ce qui est spéculation. Et quand il parle de spéculation, parce qu'aujourd'hui, les pasteurs se basent sur quoi? La spéculation de l'amour dont le dogmatisme religieux, hein, les a été inculqués. Et là, maintenant, il vient prendre l'amour. Vous savez que si quelqu'un arrive quelque part et dit que amour, comme les gens sont en carence d'amour, au lieu de vouloir comprendre quel genre d'amour il s'agit, ils seront contents que bon, ils parlent d'amour. Ouais, c'est l'amour. Oui, c'est l'amour. Mmh? L'amour. Mmh? Je peux dire que l'amour de notre père, de Papa Vassuro, n'est pas au niveau. Hein? J'ai seulement dit qu'en ce moment-là, maintenant, il doit commencer, hein, non seulement à voir les deux côtés opposés, amour et haine. Mais entrer maintenant dans la transe, hein, et comprendre qu'il y a les éléments de l'amour et les éléments de la haine. hein, et qu'à un moment donné, hein, si on connaît tous ces éléments, avant que ça n'explose, nous pouvons calmer les choses. Oui, oui. Non, pour les émotions. Non, pour les émotions, il y a les émotions positives et négatives. Hein? Quand on parle d'émotions, c'est qu'on est ému. Hein? Les émotions n'ont rien à voir. Hein? Les émotions, il y a les émotions positives et négatives. Ça dépend maintenant. C'est ce qu'on dit. Hein? On dit dans toutes les sciences sacrées, il faut équilibrer ses émotions. Bref, tous, donc, tous, dans la science sacrée, quand il parle de la science sacrée, c'est la philosophie, hein, parce que quand on pense voir le sacré, les gens prennent toujours à une autre dimension. On parle de sacré parce que c'est hermétique. Et quelque chose qui est hermétique, c'est qu'il faut utiliser, hein, soit on est initié par quelqu'un qui connaît pour transmettre, soit on se donne les moyens, hein, et la volonté de pouvoir le savoir. Quand on dit c'est hermétique, n'est-ce pas? Donc les émotions, hein, il y a les émotions positives et négatives. La colère, c'est une émotion. La joie aussi, c'est une émotion. Qu'on ne confonde pas. La joie, c'est une émotion. Et alors, la colère, c'est aussi une autre émotion. Hein? Bon, entre la joie et la colère, hein, on doit être dans un équilibre qui va nous permettre plutôt de pouvoir se maîtriser. Hein? La première des choses, c'est d'abord qu'on se maîtrise, qu'on se dompte. Hein? Quand tu t'es dompté, c'est là où tu peux maintenant maîtriser aussi les situations extérieures. Tant qu'on n'a pas atteint la maîtrise qui nous permet d'abord de se maîtriser nous-mêmes, on aura toujours... Hein? On aura toujours une inconstance dans ce qu'on appelle l'équilibre émotionnel. C'est-à-dire que chaque situation qui doit arriver peut nous influencer. Mais lorsqu'on a compris, hein, que dans toutes circonstances, on doit rester dans cet équilibre, hein, l'équilibre émotionnel, hein, là alors, on peut affronter l'adversité avec assurance et confiance. Voilà la vérité, les gars. Hein? Voilà la vérité. Donc, qu'on ne prenne plus l'amour, parce que parfois, vous voyez tellement, certains sont, tu vois un homme en carence d'amour, parce qu'une fille l'a souri un petit peu, il voit déjà que bon, voilà l'amour. Est-ce qu'on se comprend très bien? Parce qu'une fille, pas une en carence d'amour, parce que pour lui l'amour, c'est le fait d'être tout simplement en relation avec une femme. Il y a ceux qui savent que l'amour c'est ça, hein? Que l'amour c'est la relation entre lui et le masculin et le féminin. Il n'a pas compris que l'amour est quelque chose, hein, de plus grand que l'amour même, c'est la vie. Que même lorsque tu manges, tu dois manger et savourer. Et quand tu savoures, c'est avec amour. J'ai dit que lorsque tu manges, que même lorsque tu prépares, tu dois préparer tes aliments avec amour. Ben, l'amour, c'est une énergie. C'est une énergie. Et tellement puissante qu'elle est guérisseuse. Elle est même puissante. Il n'y a rien de plus puissant que l'amour, vous le savez très bien. Mais quand on connaît ce que c'est et qu'on sait s'en servir. Donc l'amour n'est pas tout simplement la relation entre un homme et une femme. L'amour n'est pas parce qu'on passe tous les jours avec quelqu'un, hein? On croit que bon, nous avons de l'amour avec la personne, hein? Est-ce que vous êtes ancré dans un contexte, hein, de découverte, ce qu'on appelle le labyrinthe? Oui, vous pouvez travailler cela, même si vous avez eu de l'attirance entre vous, hein? Vous avez eu de l'attirance entre vous, maintenant est-ce que c'est l'amour? C'est une autre chose, n'est-ce pas? Certains passent par le coup de foot, certains parlent de la drague parce qu'il m'a trop dragué. Quand on veut chercher les excuses, ça veut dire que je n'ai pas eu de l'amour parce que ce n'était pas de ma faute. Hein? Ce n'est pas moi qui ai eu de l'amour, c'est lui qui est venu vers moi. Ça, c'est une excuse pour échappatoire. Quand les deux sont conscients, hein, d'une manière inconsciente qu'il n'y a pas d'amour. Ça se travaille, ça se cultive. Ça se cultive. Si vous acceptez d'entrer dans ce labyrinthe en couple, que bon, maintenant on va ancrer dans le principe, hein, de l'amour véritable. Hein, on va apprendre à se connaître mutuellement. Hein, et pour se connaître mutuellement, je ne peux pas connaître l'autre tant que je ne me connais pas. Hein, mais c'est un travail et un exercice. Hein, chérie, à partir de maintenant, chaque soir, on va prendre 30 minutes, méditation. Hein, on va apprendre chacun à se connaître. Parce qu'en me connaissant, je pourrais être plus tolérant envers toi. Je pourrais avoir plus d'amour, hein, à distribuer. Non seulement avec toi, mais avec tout ce qui nous entoure. Avec mon travail, avec mon pays, avec l'humanité. Ah oui, avec toute l'humanité. Ben, l'amour est tellement grand qu'on le connaît que ça peut ancrer, hein, ça peut se partager partout dans le monde. Hein, et cet amour est infini. C'est ce qu'on appelle l'amour ontologique. C'est que l'amour qu'on est né, c'est l'essence, c'est dans notre essence, c'est l'essence même, hein, de l'existence, cet amour. C'est pourquoi lorsque ces gens comme les Biaka parviennent à transformer les peuples en bétail, hein, ils savent qu'ils ont tué l'humanité en eux. Et c'est pourquoi En même temps qu'on encourage nos frères du Nozo, qu'on a compassion pour eux, et pour nos frères du Sud, qu'on a la pitié, hein, encourageons-les à pouvoir s'élever pour qu'on combatte ensemble ces gens qui tuent en nous la chose la plus précieuse. Si on a tué l'amour en toi, on a tué ton humanité, on t'a tué. Tu n'es qu'un être, c'est-à-dire qu'on les appelle souvent comment, tu n'es qu'un mort vivant. Voilà l'amour dans son profondeur, dans sa profondeur. Voilà l'amour dans son essence. Que tant qu'on n'a pas cela, on va passer la vie à manipuler les gens, à se manipuler soi-même. Oh oui, il y a des gens qui se manipulent. Quelqu'un qui se trompe lui-même, il se ment. Il veut se mentir, il veut se tromper. Parce que, voilà, il faut, à tout prix, il faut donner une raison à une situation pour pouvoir s'excuser, pour avoir les excuses. Il se manipule lui-même. Là, il tue en lui cette force énergétique qui pourrait lui permettre d'entrer dans ce grand amour qui est transcendant. Donc les gars, ils ont tout simplement pitié de ces gens-là. Ils ont la tolérance pour eux. Et avoir pitié ne signifie pas que... Parce qu'il y a dans le mot pitié aussi, il y a un bémol. On va finir par là, aujourd'hui. Parce que parfois, c'est parce que quand on dit qu'on a pitié de quelqu'un, c'est qu'on va dire que bon, non, viens, alors on s'embrasse et puis on continue tranquillement. C'est faux. Non, c'est faux. L'amour, l'amour profond, cet amour profond, dont la pitié est l'un des éléments, la pitié, pas tout simplement, se manifeste lorsque il comprend que l'autre ne sait pas ce qu'il sait, ce qu'il fait réellement. Donc, parce qu'il savait, ça devient la haine, n'est-ce pas? Quand il ne sait pas ce qu'il fait réellement, l'amour dit que bon, ayons pitié de lui, mais restons à distance, monsieur. J'ai pitié de toi, je ne peux pas manger d'un même plat avec lui, puisque nous ne sommes pas du même monde. C'est aussi clair que ça. Nous avons eu pitié des gens comme les Zogo. Est-ce que vous avez vu quand ils ont distillé la haine? Ils sont ceux qui ont tout distillé. La colère, la jalousie, la haine. Et finalement, ça les a rongés. Ils ont arrêté le combat. Du moins pour le moment. Nous avons continué dans une démarche par où nous avons pitié d'eux. On avait pitié. Quand on savait qu'ils étaient instrumentalisés. Ils croyaient savoir ce qu'ils faisaient. Mais nous, l'amour te fait comprendre la profondeur de son âme. On voit que eux-mêmes ne sont pas conscients de ce qu'ils font. À la fin, dès qu'ils ont compris, voilà les discours de Ahmed Kamer aujourd'hui au Cameroun, ils tergiversent. Tantôt, oh, vraiment, j'ai fait l'erreur à l'époque, le lendemain encore, mais il est dans un clair-obscur. L'amour est déjà en train de les traiter. Parce qu'ils s'attendaient à être en tribulation au Cameroun. Mais ils ne comprennent pas qu'il dit qu'il arrive dans les coins, les Bamlékés qui les insultaient hier. Ils disent que Ahmed Kamer, on t'aime. On t'aime comme tu es. C'est-à-dire qu'il a été dépassé. Par la manifestation de l'amour profond. Donc, parce que, pour que quelqu'un aime Ahmed Kamer, quelqu'un que Biya détruit les neurones, pour qu'il aime un instrument comme Ahmed Kamer, il faut qu'il ait l'amour profond en lui. Donc, il a compris qu'Ahmed Kamer était qu'un petit instrument. Il dit que prends une bière là, tu bois, il paye, puis il part. Il ne sait pas que la personne peut le narguer même. Mais ça traverse ses neurones. On voit que c'est au Cameroun qu'il s'est dézombifié. Il s'est désobéissé. Donc, avoir pitié ne signifie pas que quelqu'un te tire le couteau. On dit qu'il faut avoir pitié et puis on dit que bon, réconciliation, non. Il t'a tué le couteau. Quand on dit qu'il t'a fait, on dit le taper d'eau, non. C'est-à-dire qu'il t'a poignardé par le dos, disons ici. Donc, trahison. Quelqu'un t'a trahi. Voilà que quelqu'un t'a trahi. Comme le pasteur t'a dit que non. Il faut avoir l'amour, il faut pardonner. Pardonner. Il dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il s'est sacrifié pour pardonner tout. Certains religieux ancrés dans cette gamme, on les pointe par le dos. Il dit que Jésus a fait plus que ça. Entre temps, le monstre est là. Il ne faut que continuer. Car lorsque l'esprit de l'être humain change contre l'autre, il veut atteindre un objectif. Et cet objectif, il est prêt à tout. Et tant que tu ne mets pas le stop, tu consens bien sûr. Et dès que tu consens, il va continuer, puisqu'il a vu que tu es maso. C'est du masochisme. Donc, la pitié, c'est lorsque quelqu'un t'est trahi. Tu prends conscience de la situation. Tu notes, et puis, tu mets dans ton livre sacré. Et maintenant, cette pitié signifie que Maintenant, tu restes de ton côté, je reste de mon côté. Tu ne parles pas, c'est pas que tu l'appelles pour lui dire cela. Hein? C'est que la personne prenne, que la personne va prendre conscience. C'est elle qui va prendre conscience que hein, les choses ont changé. Non, tu ne parles pas, tu n'as pas le temps de ça. Puisqu'il faut que tu avances. Pas le temps de lui dire tout ça, ça va créer des vociférations. Hein? Lorsque tu as cet amour, parce que l'amour te donne la vision, l'amour te donne l'anticipation, l'amour te donne la clairvoyance, la claire audition, l'amour te fait ancrer dans la science sacrée. Hein? Donc lorsque quelqu'un a l'intention hein, de vouloir te faire le mal, l'amour te prévient déjà. Et quand tu es un être hein, qui respecte l'existence, ton propre existence, tu dois prendre déjà les mesures. Oui, tu prends les mesures. Puisque tu veux le voir venir, l'amour t'a fait comprendre cela. Hein? Comme on dit, l'amour c'est la vérité. Hein? Et la manifestation de la vérité. N'est-ce pas? Tu l'as vu venir, tu mets ta barrière et puis tu avances. Parce que si tu n'avances pas, hein, en attendant, tu te bloques aussi les énergies. Pour voir si la personne va changer. Par entre-temps, tu as bloqué. Et c'est du moyen conscient que tu l'as fait. C'est un choix. Hein, que tu as pris, n'est-ce pas? Donc, avance, c'est devant. Car le jour de chacun, lorsque ça arrive, ça ne nous dit pas, hein, ça nous dit pas que, ça ne nous donne pas le rendez-vous. Quand le jour arrive, ça arrive. Parfois, ce n'est pas les accidents, parfois, c'est naturellement. Donc, dans toutes les circonstances, nous devons avancer au nom du principe d'amour. Donc, nous avons beaucoup parlé ce soir. Il était important pour ceux hein, qui sont là et pour ceux qui viendront, hein, qu'on puisse garder ces notions-là, qu'on puisse accepter vivre selon les réalités objectives, qu'on ne spécule jamais en croyant que l'un ou l'autre peut changer comme ça parce que nous voulons que la personne change. Non, ça n'arrivera jamais. Hein? Tant que nous, on ne prend pas hein, le devant et qu'on soit hein, le guide. Le guide est celui qui montre la voie. Quand tu montres la voie, la personne prend conscience que, oh, avant que la personne arrive, tu es parti. C'est comme ça que personne ou aucune circonstance ne vous perdez plus jamais le temps. Et n'acceptez jamais les flagonneries. Hein? Les flatteries que quelqu'un va venir vous faire pour vous faire plaisir. N'acceptez plus être flatté. C'est ça qui tue en nous l'essence de la vérité qui est l'amour. Hein? Quelqu'un vient avec sa ruse ou les flatteries, vous le comprenez, ayez pitié de la personne et avancez. Car ils ont tous les moyens hein, pour passer, pour voir si on peut essayer de te déstabiliser. Il y a ceux qui veulent ancrer dans ce cercle fermé, dont énergiquement tu es protégé grâce à l'amour et la vérité. Il n'y a aucune protection plus importante que l'amour. Ben, ça protège même, ça protège l'aura, ça protège la demeure, ça protège la famille. Oui, oui. Tu deviens un être... Hein, oui, protégé par non seulement hein, le système hein, universel, hein, qui est la cosmologie, hein, non seulement tu es protégé par ces particules, hein, comment on appelle ça, cosmiques, hein, dont nous sommes formatés, n'est-ce pas? Et nous sommes aussi protégés par la puissance hein, de la Terre elle-même, d'où nous demeurons. Hein? La puissance de ce système terrestre. Et quand on parle du système terrestre, ça concerne tous ces éléments. Ça concerne les arbres, ça concerne l'eau, ça concerne des plantes, hein? Ça concerne les animaux. Lorsqu'on a l'amour, vous avez compris parfois, hein? On dit que les rois, il y a les rois lions. Ces rois en Éthiopie domptaient les lions. Ce n'était pas la puissance de l'amour. Hein. Ce n'était pas qu'on prend comme le chien aujourd'hui. Ils avaient atteint une capacité que lorsque les animaux hein, les voyaient, l'animal sentait en eux la pureté. Ce n'est pas qu'ils étaient très puissants. Puissants parce que, vous avez compris ce principe dont je parle, ils ont fait un travail tellement puissant. Hein. Ils vivaient avec les panthères, avec les lions. C'est pas le genre qu'on voit dans les cycles là. Les cycles, ce sont des années. Hein, on prend les bâtons pour faire comme des chiens ici, non. C'est qu'ils ont dompté par la pureté de l'âme. C'est un peu comme vous voyez un peu dans les écritures chrétiennes. Lorsqu'on dit que Jésus arrive dans une ville, il y a un démon qui dérange dans la ville et que lui part. Hein, ce démon qui est en train de troubler toute la ville. Hein? Il va et puis il purifie le démon. C'était par rapport à la pureté, la puissance de l'amour et de la sainteté. Hein? Puisque la puissance de l'amour nous amène à la sainteté. N'est-ce pas? Ah oui. Donc, c'est pour dire, puisque aujourd'hui nous prenons l'amour, il faut qu'on sache exactement ce que c'est que cette énergie, car c'est une énergie. Hein? Parce que ça ne veut pas dire que Paul, hein? Comme aujourd'hui on dit qu'on a arrêté la femme de nos petits, on va dire que non, on va avoir de l'amour pour celui qui a arrêté. Hein? Non, nous avons la pitié, car celui-là est en train de faire vraiment hein, ce qu'on les demande. Le peuple demande de ne pas faire. Comment est-ce qu'un combattait dans la brousse et qu'aujourd'hui on part plutôt arrêter sa femme? On dit que on va avoir l'amour avec eux, que si on n'a pas l'amour, on a juste la haine avec eux. Non, c'est pas ça. On ne peut pas avoir de l'amour avec eux. Hein? C'est de la pitié. Oui. Comment est-ce qu'on va partir? Donc, comme je suis en train de combattre ici, là, hein, ils vont aller prendre la vie de ma femme, de ma famille au Cameroun. Hein? Ah oui, on a dit que, par amour hein, à cette bataille, on va dire que, brûlez-les même d'ailleurs. Oui, envoyez-les au sacrifice. Ben, ils ne font que faire d'erreur. Ils ont que d'erreur en erreur. Hein? Voilà. Non, les dieux camerounais vont intervenir, ma mère. Hein? Dieu Cameroun, bonsoir à toi. Donc, je pense que nous avons beaucoup parlé de cela. Et je pense que c'est un sujet qui est très important. Je ne vois pas quelque chose de plus important qui pourrait éveiller les consciences plus que cela. Hein? Parce que ce que nous a appris, hein, dans la pédagogie occidentale, donc colonisée, hein, ce ne sont que des flagonneries, donc des choses superficielles. Qu'on sache que les mots existent, hein, dans le dictionnaire, ils peuvent être définis selon leur conception de la chose. Hein? Même l'amour dont on parle là, les philosophes ici là, chacun avait... Hein, à l'époque, lorsqu'ils étaient encore dans la recherche de la vérité, hein, chacun avait sa définition profonde, mais tous étaient d'accord sur ces choses. Hein. L'amour, c'est la manifestation de la vérité, et l'amour, c'est l'essence profonde de l'humain. Donc, pour eux-mêmes, l'amour, selon la religion chrétienne, Dieu est amour. Et ça se comprend bien. Ils ont dit Dieu est amour. Parce que la manifestation profonde, rien ne dépasse cela. Mais ce n'est pas l'amour superficiel. Je pense qu'on a le temps d'ancrer en profondeur. C'est important. C'est important parce que ça va permettre à certains de comprendre qu'il y a certains qu'on a fait croire que la solitude, par exemple, la solitude, c'est une manifestation hein, du manque d'amour. On va dire manque d'amour. Un manque d'amour ne veut pas seulement dire haine, selon leur philosophie, hein, parce qu'on commence exactement ce qu'ils appellent manque d'amour. Hein? On peut dire manque d'affection, n'est-ce pas? Il y a parfois, ils disent manque d'amour, n'est-ce pas? Parfois, dans une société pourrie, je dis ça pour qu'on conclue, hein? Dans une société pourrie, comme la France, dont nous sommes aujourd'hui, dans une société en dépression, dans une société où certains mènent leur vie comme si c'était une novella. Les uns les autres mènent leur vie comme si c'était du cinéma. C'est-à-dire que les êtres humains sont devenus des extraterrestres. Dans un monde comme celui-ci, il est préférable d'être replié dans son univers. Être replié dans son univers, c'est parce qu'on a fui la société. On sort pour faire ce qu'on a à faire d'important, pour s'épanouir. Mais vous n'êtes pas obligé d'être toujours hein, accompagné. Ah oui, parce que certains croient que s'ils ne sont pas accompagnés, on va voir qu'ils n'ont pas d'amour, ils n'ont personne. Oui, mais vous restez dans une position zen. Et ne pas être, vous, d'ailleurs il y a un adage qui dit, au Cameroun, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. C'est une vérité ontologique. Parce qu'il n'y a que l'amour qui donne cette perception de la chose. Parce que d'être avec quelqu'un aujourd'hui qui à tout instant va vouloir te tirer les nerfs, va vouloir te tendre les nerfs et tout. Hein? Donc c'est-à-dire que vous êtes amis, mais il y a toujours des... Non. À un moment donné, lorsqu'il veut vivre comme les extraterrestres, comme ils veulent vivre comme le système les impose. Hein? Donc, mieux vaut être seul, mais être serein. Donc, afin d'être serein, d'être épanoui, de pouvoir vivre selon nos principes et selon nos valeurs. Sinon, on sera toujours déstabilisé par les rusés, les malheurs, les manipulateurs. Et il y a des gens qui veulent à tout prix toujours être accompagnés. Ils sont obligés d'être avec tous ces gens-là. Non, mieux vaut être seul, les gars. Hein. C'est ceci, un principe supérieur. Hein. Quand vous comprenez, je vais prendre l'exemple toujours de la Bible. Quand vous comprenez, on dit que Jésus est parti faire 40 jours et 40 nuits dans le désert. C'est qu'à un moment donné, il va être seul. Et quand il va avoir tous les éléments, parce que on ne va pas être seul définitivement, n'est-ce pas? Mais c'est le moment de pouvoir bien se travailler d'une manière qu'à un moment donné, hein, on est un aura, donc on appelle ça la force énergétique, n'est-ce pas? Le corps énergétique. Quand ton corps énergétique est tellement puissant que tous ceux qui souhaitent, qui ont les mauvaises pensées, quand ils passent auprès de toi, ils fuient seuls. Ils fuient seuls. C'est un travail, c'est ça. Ce qu'on appelle le spirituel. Oui, oui, ancré dans le spirituel. La religion conduit à la perdition du spirituel. Le spirituel conduit à la vérité, à la connaissance de l'essence profonde de qui nous sommes réellement. J'ai vu l'autre jour à Equinoxe, c'est quand quelqu'un est mort au barreau. C'est là où quelqu'un est venu dire, pendant que nous vivons, il faut qu'on se pose sur la question de savoir qui nous sommes, où on va, qui suis-je. C'est le moment maintenant. N'attendez pas que ce sur votre tombe qu'on viendra. C'est les questions qui ont toujours poussé les civilisations à pouvoir s'améliorer et de pouvoir choisir la bonne voie selon le patrimoine culturel, historique et identitaire. Nous ne sommes plus jamais bernés par ce mot amour. L'amour est scientifique. C'est pourquoi on va chuter avec ça, mes chers. Et ça fait un bon bout de temps. C'est pourquoi parfois vous voyez que, et cet adage, ce n'est pas un mensonge, mais seulement que les gens ont pris ça autrement. Lorsqu'on dit que l'amour se manifeste par les faits, peut-être dans un couple, on dit que, ah, il parle beaucoup, il ne donne rien. Bon, ce qu'on a, on a voulu... Bon, en fait, c'était un moyen de leur faire comprendre que l'amour est scientifique. Que l'amour, ce n'est pas juste le bavardage du dogme religieux. Hein? Bah, tu peux dire à quelqu'un que je t'aime. Hein? Et que par conséquent, on va prendre un exemple tout court, n'est-ce pas? Tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, n'est-ce pas? Et que tu comprends que la personne peut-être a eu un accident, hein? Dans une autre ville, n'est-ce pas? Et que tu n'as aucune circonstance, hein? Et que tu ne parviennes pas, hein, à pouvoir lui démontrer, que ce soit même par la voix, que ce soit... Au fait, l'amour est une démonstration scientifique. Ce qui va vous dire tous les jours que je t'aime, et qu'à même temps, il ne te tchouk pas derrière, il n'y a pas d'amour derrière. Que vous soyez en couple ou pas. Parce que la manifestation de l'amour le plus souvent en Afrique, c'est par rapport au couple. En Afrique, aujourd'hui quoi, aujourd'hui, l'Afrique d'aujourd'hui. Hein? Celui qui t'aime et qui te tchouk pas le dos, il ne t'aime pas, il n'y a pas d'amour. C'est pas l'amour. C'est l'amour spéculaire. Donc, les religions ont toujours envoyé. Donc, sur ce, mes frères, on se dit, bonne soirée, merci pour votre patience, merci d'avoir partagé et à très bientôt. Ciao, merci.